Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un générique plus court pour un journal plus court. Dans un quart d'heure, en effet, nous retransmettrons en direct le discours que le président de la République doit prononcer à Carpentras. Dans l'entourage du président et de l'avis de tous les observateurs politiques, on dit que ce doit être une intervention très importante, davantage même que le discours que le président avait prononcé dans une autre sous-préfecture au début de l'année, Peu-Hermel, en Bretagne. Tout de suite, la température de cette manifestation avec notre envoyé spécial Daniel Brehm. Carpentras, petite ville de 27 000 habitants qui se veut hors des excès et des passions, vient d'accueillir le président de la République dans une véritable atmosphère de kermesse. Musique de la Légion, tambourinaire, Tifrelin, Daniel Gilbert et Sanvar en tout genre se sont relayés pour faire patienter les milliers de personnes qui, dès 18 heures, se sont installées place de Verdun face à la tribune présidentielle. Avant de prononcer son discours très attendu dans lequel le président parle de l'unité de la France, M. Giscard d'Estaing et son épouse sont allés rendre visite au maire républicain indépendant M. Chartier et aux conseillers municipaux. Ils ont pu admirer sur leur chemin la symphonie de couleurs des productions locales, tomates, aubergines, pêche, un vrai régal pour les yeux. Présentement, nous attendons leur retour et leur montée à la tribune vers 20h14, 20h15. Tomates, aubergines, équipe blanc. Et tout de suite, après ce discours, Valéry Giscard d'Estaing doit gagner le fort de Brégançon pour passer le week-end en famille. Demain soir, il assistera à un concert public dans le cadre du Festival de Toulon. Pour ceux qui sont déjà en vacances, le sujet de préoccupation numéro un reste le temps. Le temps qui est vraiment épouvantable dans le sud-ouest, à tel point qu'à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, un camp de vacances s'est retrouvé inondé en pleine nuit. Affolement chez les habitants, et ce soir, le bilan est là, tragique, 5 disparus. Ordinairement, cette rivière, la Save, est un paisible petit affluent de la Garonne. Après les violents orages d'hier soir et de cette nuit, la Save est brusquement sortie de son lit. Un torrent d'eau boueuse a noyé sous 2 mètres d'eau les rues de l'île en Dodon avant d'envahir le village de vacances tout près de là. En quelques instants, tout est emporté par les eaux, voitures, caravanes et même quelques bungalows. Pour la centaine de vacanciers réveillés en pleine nuit, c'est la course pour échapper au courant. Mais pour 5 personnes, dont 3 enfants, le courant aura été trop fort, ils ont été emportés. Dans le Lot-et-Garonne, près de Villeneuve-sur-Lot, 2 personnes ont disparu également après les inondations. En Dordogne, les cultures ont gravement souffert de la montée des eaux, de même que dans la Nièvre où de très violents orages de grêle ont suivi la pluie. Et puis dans le Gers, le plan hors sec a été déclenché. Un attentat, encore un, est très impressionnant. Un attentat non revendiqué, dirigé contre le directeur général de l'EDF, Marcel Boiteux. Une bombe a explosé à son domicile cette nuit, une bombe d'une très forte puissance, un quart d'heure à peine après le retour de M. Boiteux à son domicile. Et vous allez le voir d'après ces images, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime. La bombe explosive, placée devant la porte palière du 4e étage, a complètement ravagé l'appartement de M. Boiteux. Pas de victimes car les chambres sont situées loin de la cage d'escalier qui s'est effondrée sous l'effet de la déflagration. De nombreux appartements ont été endommagés, leurs habitants devront être relogés. La machine à laver dans le frigidaire, ils étaient à 5 ou 6 mètres l'un de l'autre, le frigidaire est dans la machine à laver, enfin c'est vous dire la puissance de la déflagration. Je dois vous avouer que j'ai un sommeil très profond, je n'ai rien en pensant. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais je ne sais pas, la mairie du 16e m'offre l'hospitalité pour cette nuit, je ne sais pas où j'irai demain, mais enfin, je pense que les pauvres sinistrés que nous sommes vont être tout de même pris en charge par la communauté. Vous le prenez avec la bonne humeur? Mais bien sûr, nous en avons vu d'autres. Quelques instants avant l'explosion, un témoin affirme avoir vu 3 hommes s'enfuir. Il s'agit du pompiste d'un garage voisin. Ça, franchement, je ne peux pas vous dire... La façon qu'il parle, moi je comprends pas, il doit être des Anglais, je sais pas qu'est-ce qu'il est, la façon qu'il parle... Pas les Français en tous les cas. Non, enfin ils ont une langue spéciale, vraiment. La CFDT, la CGT, les écologistes et le Conseil d'administration d'Électricité de France condamnent cet attentat. Ce matin à 11h, comme prévu, le directeur général d'EDF rencontrait les syndicats pour les négociations salariales de la fonction publique. Nous l'avons interrogé à sa sortie. Monsieur Boiteux, est-il exact que vous ayez reçu des menaces avant l'attentat? J'ai effectivement reçu des menaces téléphoniques.
Vous êtes la seule personnalité de l'EDF à avoir reçu de telles menaces? Je ne le crois pas. Y a-t-il, selon vous, un lien entre le mouvement antinucléaire et l'attentat dont vous avez été victime? Je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves. Aucune idée particulière sur la raison de cet attentat? Écoutez, vous me permettrez, l'attentat est extrêmement récent, de ne pas avoir pour l'instant d'opinion plus tranchée en la matière. Cette nuit, et malgré ces menaces, M. Boiteux déclarait « Je ne pense pas que ce soit moi qui ait été visé ». Nous vous le disions, M. Boiteux a quand même eu le temps de se rendre ce matin à la réouverture des négociations salariales de l'EDF-GDF. En fait, une simple reprise de contact, puisque comme à la SNCF et comme dans la fonction publique, on se reverra début septembre. C'est un homme politique d'une grande générosité qui vient de mourir à 53 ans. Jacques Duhamel, ancien ministre de l'Agriculture et de la Culture, tout le monde politique, adversaire ou ami, lui reconnaissait d'immenses qualités de cœur et d'esprit. Après un début de carrière très rapide, la maladie devait le miner et l'obliger à abandonner une par une toutes ses activités politiques. Jacques Duhamel était né au mois de septembre 1924 à Paris. Très vite, l'étudiant de l'ENA collabore avec Edgar Faure aux finances, devient député de Dole en 1962, puis ministre dans le premier gouvernement formé par le président Georges Pompidou, qui l'a soutenu, rejoignant ainsi Valéry Giscard d'Estaing. Ministre de l'Agriculture de juin 69 à janvier 71, il devient ministre des Affaires culturelles jusqu'en mars 73, date à laquelle il renonce à ses fonctions gouvernementales pour raison de santé. Jacques Duhamel avait voulu situer son engagement politique au centre. Il fondait en juillet 1969 le Centre Démocratie et Progrès, en définissant ainsi son action, le libéralisme d'esprit, l'inspiration de la morale chrétienne et celle de la gauche réformiste. Mais de Jacques Duhamel, les représentants élus des deux assemblées conserveront surtout l'image courageuse qu'il donnait dans son long combat pour la vie. D'ailleurs, le chef de l'État a adressé un télégramme de condoléances à la veuve de Jacques Duhamel. Ami personnel depuis plus de 30 ans, dit Valéry Giscard d'Estaing, esprit tolérant et ouvert, Jacques Duhamel était l'exemple de ce qu'anime une conviction démocratique et libérale. Encore un rapport officiel qui va susciter quelques émotions, celui du Conseil des impôts. 400 pages remises au président de la République, au long desquelles les hauts fonctionnaires révèlent comment certaines entreprises françaises s'y prennent, avec l'aide de la loi, pour échapper à l'impôt. Réaction immédiate du CNPF, il est inadmissible de jeter le discrédit sur l'ensemble des entreprises françaises. Les trois quarts de ces entreprises, des recettes de l'État, pardon, sont payées par les entreprises. Réaction, vous allez le voir, tout aussi vive des PME, les petites et moyennes entreprises. Je pense qu'il est injuste, en extrapolant les résultats de certains contrôles fiscaux et de redressements qui sont en suivi, de donner des pourcentages de fraude aussi importants. Enfin, en simplifiant un peu, on peut dire que les entreprises, en général, payent leurs impôts sur les bénéfices. Or, il y a la moitié des entreprises françaises qui ne déclarent pas de bénéfices, et il y en a même 20% qui se disent en déficit. Alors, comment peut-on vivre si on fait du déficit chaque année? Alors, là aussi, il faut être très nuancé dans le jugement que nous pouvons porter. Vous savez que des entreprises sont tenues pour vivre, survivre, se développer, d'investir. Quand vous faites des investissements dans une entreprise, il est bien évident que vous avez des charges d'amortissement qui sont excessivement lourdes dans les premières années et qui nécessitent de la part des chefs d'entreprise de très gros efforts. Il est bien évident qu'il n'est pas anormal de constater un, deux ou trois exercices qui sont déficitaires. Mais ces sociétés qui ont fait des déficits, au bout de une, deux ou trois années, font des bénéfices. Alors là, on n'en parle plus. C'est la dernière fois que vous voyez cette publicité. Demain, interdiction de toute publicité à la radio ou à la télévision pour vendre le tabac. Dans la presse écrite, pas d'interdiction, mais un très strict contrôle. Il sera interdit de juger la qualité de tel ou tel cigare ou cigarette. De là, cette publicité ironique où les responsables ont barré d'eux-mêmes tous les qualificatifs élogieux. Affaire Révelli-Beaumont, le juge chargé de l'enquête s'est déclaré aujourd'hui d'accord pour libérer Hector Aristi. Mais le parquet a fait appel. Hector Aristi, le principal témoin de cette affaire, reste donc détenu. La chambre d'accusation doit se prononcer dans le mois qui vient. Des révélations importantes dans le New York Times aujourd'hui. Pour ce journal américain, le Pentagone aurait décidé d'équiper les troupes de l'OTAN de bombes à neutrons, si Jimmy Carter est d'accord. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est qu'une bombe à neutrons. Alors je vous propose de suivre les explications de Georges Leclerc. Explications qui seront suivies, je vous le dis tout de suite, d'images assez impressionnantes. Georges Leclerc donc nous explique ce qu'est une bombe à neutrons. Dans deux secondes.
Voici le Trident, le dernier né de la panoplie de morts des armées américaines. Porté près de 10 000 km, bombe nucléaire capable de dévaster complètement toute une région, tuant plus de millions de personnes à la fois. Pourtant, ce n'est pas du Trident que les soviétiques ont peur aujourd'hui, mais d'une toute petite fusée, la Lance, que voici, portant à 100 km à peine, mais équipée d'une bombe à neutrons. Ce mot « neutron » fait aujourd'hui trembler tout le monde. Il y a de quoi quand on en connaît le principe. C'est véritablement le rayon de la mort avec une charge explosive assez faible, 20 fois moins qu'à Hiroshima. Quand le missile arrive au-dessus de sa cible, il explose à 100 mètres d'altitude et le souffle détruit l'installation militaire visée uniquement. Mais en même temps, un flux intense de neutrons, radiation invisible et meurtrière, tue tout ce qui vit dans un rayon d'un kilomètre. Les bâtiments un peu éloignés de l'explosion initiale restent intacts et peuvent donc être récupérés après l'explosion. Les populations civiles, éloignées, si tout s'est déroulé comme prévu, sont épargnées. Cette bombe aurait, selon les Américains, déjà été expérimentée ici, dans le Nevada. Ses effets sont terrifiants. Voici un petit singe qui reçoit un flux de neutrons. Regardez maintenant le compteur. Voici les derniers efforts du singe. L'irradiation a eu lieu il y a un peu plus de 6 minutes. Il est mort par épuisement total, irradié par des neutrons. Oui, ce sont des images assez éprouvantes et on se demande si l'armée a vraiment besoin de cela pour progresser. Pendant l'intervention de M. Kurt Waldheim hier soir sur ce plateau, vous avez pu voir l'image assez navrante qu'Idi Amin Dada donnait du continent africain à l'occasion du sommet de l'OUA à Libreville. Je crois que la séquence qui va suivre est encore plus parlante au deux sens du terme puisqu'il s'agit d'une interview du maréchal ougandais réalisée par notre envoyé spécial Philippe Châtenay. Une interview qui en dit long sur l'extravagance du personnage Idi Amin Dada, même si au passage il donne un coup de calot, et Dieu sait si ces calots sont jolis, à la France. Écoutons-le. Does your government and Uganda plan to contribute to the physical liberation of Zimbabwe, and if so, in what way? We shall put all force to drive out the racist discrimination of the white minority regime in South Africa under the Zionist from the Middle East, which are still illegally occupying the Arab and the Palestinian land illegally. We shall drive them out of that country. I wanted to inform you, because of the time, I don't have more time, I'm leaving, because you know that. Also, I wanted to thank the government of French. British imperialism must learn from the French, because the French is showing good example to his former colony of uniting them together and discuss with them the matter concerning the economical cooperation. But the British are only wanted their puppet leader to discuss with them. They cannot discuss with a conqueror like me, who conquered them until they ran away themselves from Uganda. Lastly, I would like to tell you that I have been given the highest order of the conqueror of the British Empire in Africa, in general, particular in Uganda. And therefore, my conquering honor, I will be in position to lead the liberation struggle against the racist regime in South Africa and also Rhodesia. Also, I will be in a position even to participate officially in fighting in Palestine, to liberate the Palestine. Thank you very much. Thank you. Voilà, sans plus attendre, je crois que maintenant il nous faut rejoindre Carpentras, car à l'instant, je le vois sur mon écran de contrôle, Valéry Giscard d'Estaing vient de gagner le podium, d'où il doit prononcer ce discours, qualifié donc de très important.